Sur le pays, très chaudement, dans un bain, un bain de foule des ronds, et après ça tourne à moitié épaille. Ah non, merde, du coup, ça va le sens. Ah, et après, mort, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Entrez, je vous en prie. Ce sera parti pour les parages. Suivez-nous, je vous en prie. Bon, bah du coup, on commence par quoi? Alors, on va commencer par le vestibule, comme nous l'appelons dans le milieu. Très bien aménagé, avec une penderie. Ici, nous avons le garde-manger. Il s'agit d'une armoire. Ensuite, je vous en prie, regardons la salle de bain. Très spacieuse, digne des hôtels les plus luxueux que le monde ait connu. Comparé à ma taille, je suis quand même relativement grand, je fais 1m82. Je n'attends même pas le deuxième rang, la deuxième étage. C'est le un deuxième peu étage de, des armoires, oui, je confirme. Mais venez, 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 je vous en prie. On ressort. Un détail que je vous ai ah montré, oui. C'est là-haut, vous avez un certain rideau de fer. On se demande à quoi ça peut servir. Mais qu'est-ce donc, Max? Dis-nous. Mais écoutez, à partir du moment où je vais le lever, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un endroit de rangement. Et si vous êtes assez observateur, vous remarquerez que ça donne directement sur la salle de bain. Du coup, il faut éviter d'avoir des envies trop pressantes et trop bruyantes. Sinon, puisque, il se fait remarquer. Puisque, attention, ferme la porte, on va voir à quel point ça change quelque chose. Mais bonjour, Max. Moi, je suis toujours là. Entrez, entrez, je vous en prie. Bien, nous allons continuer avec la chambre, très spacieuse elle aussi, un lit très grand d'1m60. Certes, il peut manquer quelques lattes, mais c'est uniquement à cause des anciens propriétaires qui étaient sûrement des grands sportifs d'élite. Les étoiles, tout à fait très haut comme plafond. Attends, il faut qu'on montre, mets-toi au fond. Voilà, je vais me mettre au fond. À titre de comparaison, je fais toujours 1m82 depuis qu'on était dans la salle de bain. Les armoires, super. Je vous fais pas une plus grande visite que ça. Mais... Voilà, le linge sale et une échelle. Mais non, mais c'est pas très important. Ouais, l'échelle ça, est très importante. Non, mais Claire, arrêtez de filmer, ça va être dur. Couloir, très grand, très long. Ça, c'est le travail, le poste de travail d'un dessinateur très connu qui est, si vous l'avez remarqué, vous êtes que des connaisseurs dans le milieu, le dessinateur de bilan. Je recommande, très grand artiste. Alors, prends tout ton temps, vraiment. Je préfère que nous restions sur le vouvoiement. Continuons dans la cuisine, parce que c'est une pièce qui n'est certes pas incroyablement belle, mais qui a son potentiel. 3, 2, 1... Parfait. Donc, voici la cuisine. Petit détail que vous avez peut-être remarqué dans la salle de bain, mais qui a aussi été transféré dans la cuisine, c'est ce super radiateur. Ils aiment bien l'idée, ils aiment bien l'idée. Donc, à hauteur du sol. Pas montrer. Passons sur moi la caméra, s'il te plaît. Magritte, vous le reconnaîtrez sûrement. Magritte, ce grand artiste qui a peint la Joconde. Et il nous a fait l'honneur de nous offrir cette petite peinture. On est des chanceux, hein. On reconnaît un peu le style cubiste. Là aussi, une chose qu'il a remarqué, c'est notre chère ancienne ministre. Paix à son âme, elle n'est pas décédée. On s'en fiche de ce placard. L'armoire. Max, on s'en fiche de ce placard. Mais non, je trouve que non, c'est très. Je dirais le sable du Sahara. Hein. C'est un souvenir de notre week-end passé, c'est pour ça. Oui, exactement, quand on est allé au Caire, en Espagne. Et notre magnifique vaisselle. Exactement. Aussi, une chose qu'on vous a pas dit, c'est qu'on peut reconnaître, si on regarde très bien l'immeuble, qui date de l'ère romaine.
Comme vous pouvez le voir, côté. C'est effectivement ça. Ça prouve que l'immeuble est gardé. Maintenant, venez. Ne soyez pas timide, venez. Dans ce qu'on appelle le salon, c'est ici que toute la magie se passe. Chaque élément de décoration a son importance. Comme vous pouvez le voir, on a mis les moyens. On s'est dit que louer un appart qui avait la vue sur la porte de Brambourg, c'était important. La décoration, le Wall of Fame, comme on l'appelle. Notre chef-d'œuvre au final. Notre chef-d'œuvre. Salut mes petites tartelettes. Petit point dans la vidéo pour raconter comment ce mur il a évolué. On est lundi 11 mars, on déménage dans quelques jours. On va faire un point sur le mur qui a pas mal évolué avec le temps. Des polaroïdes. On est passé plusieurs fois dans les photomatons pour faire des beaux clichés de nous-mêmes. Le canapé lit, magnifique, en cuir. La légende dit qu'il mange beaucoup de choses. On peut retrouver... Ah ben, vous voyez, il y en a une fois et j'ai perdu un crayon il y a quelques temps. Je l'ai retrouvé, vous voyez. Maintenant... Peut-être présenter... Oui, pardon, les enfants de la maison. On ne vous l'a pas dit avec Claire, mais nous avons adopté 3 petits-enfants qui sont les amours de nos vies. Mais je vous présente donc Charlène, la petite de la famille, les yeux de sa mère, comme vous pouvez le voir. Lui, c'est... quel est son nom? Tu ne te rappelles pas? Nathanaël. Oui. Je t'avais oublié, mon petit Nathanaël. C'est Léo, le plus vieux. Enfin, voilà. Je pense qu'on peut conclure la visite de cet appartement. C'est pour ça que je vous souhaite une agréable journée à toutes et à tous. C'est peut-être un peu trop près maintenant. Oui, non, je pense que non. Comme ça, c'est bon. Nickel. Je... Attends, comme ça, ah, on oui, va bien non, tout oui, c'est très bien, c'est parfait. Super. Allez, on... 4. Oui. Quoi ? 4. Ah, pardon. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt. Mais tu vas me faire tomber, mais quel con! C'est filmé, ça va se nerf, putain, t'as peur d'être. Dégage, je veux pas te voir. Mais je m'en fiche. Ferme ta gueule. I got a lucky head. Got to some. Now the morning, the light of the sun.
s'attend bien au courage normal. Hein. T'as des sentiments qui sont pas parlés et du coup, je voulais savoir si tu voulais me refuser. C'est pas bonjour. La blague, voyons. Ah, pardon. Ça y est. Tu remets rien d'autre dedans? Trois nuits, hein. Bon, bonne nuit, Maxouille.